Bonjour à VOT. Ah bah, je peux de nouveau bouger. Du coup, c'est bon. On peut jouer. C'est quoi ce cirque? Dumet, d'où il sort ce type? Il était nerveux, ce type. J'ai pensé qu'il était juste un peu excentrique. Entre un excentrique et un meurtrier, il y a un sacré fossé. Ma lumière, elle est toujours orientée extrêmement bizarrement, mais bon. Pas grave. Il faut réfléchir. Maintenant, c'est Dilo qui va être bloqué, oui, c'est ça. Il aurait découvert qu'il y avait un tueur ici et aurait décampé. Ah, mais merde! Possible. C'est quoi la suite? Je vois rien. Peut-être que l'homme qu'on a rencontré. Mon éclairage sera folle. Et le type avec le masque. Ce mécanisme, ça demande une sacrée mise en place. C'était planifié depuis le début. C'était conçu pour qu'on tombe dessus. Ce qui renforce l'idée que le type du ferry n'était pas vraiment Dumet. Ah! Ah! Pas vraiment Dumet, ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. C'est ouvert. Y'a un truc qui s'est ouvert? Oui, entre nous, c'est... Ça... ça y est, on tourne en rond là. Ouais, là, on tourne en rond, t'as raison. Regardez là. Ah oui, là, c'est fermé, ok. Oh putain, là y'a un mur maintenant. Y'a pas de mur avant ici, c'est pas de connerie. Voilà. Ok, là y'a rien non plus. Ma porte, on peut l'ouvrir. Ah! C'est à côté de moi. Ok, bon, ça va être ça la suite, je pense alors. Là, ça a pas dû jouer. Oh là. Et là, on vient ici. J'essaie de faire un plan dans ma tête. Mais je crois que la chambre d'Erin a été totalement isolée. Putain, Charlie! Yo, silence. Pourquoi s'attaquer à elle? Parce que c'est pas difficile de lui faire peur. C'est la plus vulnérable. Tu débarques ou quoi? C'est comme ça que font les sociopathes. N'oublie pas que tu veux courir au cas où. Ouais, ouais, mais moi je trouve que c'est plus d'être dans l'ambiance que de marcher. Oh, oh. Mur de briques. Continue. Exactement comme Holmes. Non, je veux pas penser à ça. Hmm. Bah si, hein, faut y penser, hein. Justement, si vous y pensez, bah ça, vous aidera peut-être à trouver une solution. Parce que normalement, ils ont étudié H.H. Holmes. Ils savent un peu ses méthodes et tout. Oh là là, non mais bah, c'est horrible. Là, on peut ouvrir maintenant? Non. Non, toujours pas. Parce qu'il y a une lumière bleue en dessous, c'est trop intriguant. Ah bon? Moi, j'ai pas de lumière. Mais en fait, c'est un peu... Ouais, non, pas là. C'est sûr. Là, par contre, c'est ouvert, ça. Ah. Ah, on entend une gamine encore. Mais on dirait que c'est un enregistrement en fait. Oh, il respire trop fort, ça m'énerve. Il y a un truc, mais je crois que c'est une pièce, donc je te la laisse parce que j'en ai trouvé plusieurs moi. Bah, sous l'escalier. On se les partage pas les pièces. Bah, je suis pas sûre, moi j'en ai 7. Regarde si toi t'en as 7 ou 8 maintenant. Ou peut-être plus. Mais j'étais pas sûre parce que... Je vois pas. Ah, examiner. Ouais, ouais, parfois faut pas être forcément... C'est pas en anglais. Non, là c'était pas en anglais, pour une fois. Là j'ai 4 pièces. Ouais, 4 voilà. Demain. Du coup je pense que c'est pas... C'est effectivement pas partagé. Et on va essayer d'égaliser alors. Du coup, si... Ah là je peux sortir, je sors. Vas-y, vas-y. Okay. Jamie, par ici. Là, viens m'aider. Oh, aidez-moi, il est par terre. Non. On s'est déporté. Ikushun. Par contre, j'aurais bien exploré la pièce avant, moi. Moi, j'entre même pas là-dedans, là. Mais non, grave, et puis ils entrent tous les deux, évidemment, non. Et puis ils vont se retrouver Keblo. Ça va être GG. Regardez, la porte, elle se referme. Mais quelle bande de nuls.
On est dans des matrioshkas. Vous faites aucun effort. C'est des poupées russes. Ces poupées qui s'emboîtent là, les unes dans les autres. Tu dérailles là ? J'ai pas besoin de ça. On est dans une cuisine, piégé dans un hôtel, coupé du monde sur une île. Même si on arrive à sortir de cette pièce. Comment on va sortir de l'hôtel ? Je te fais pas dire. Y a un bonhomme humain ! Et comment on quitte l'île ? On doit se concentrer sur une chose à la fois. Cette pièce d'abord. T'as raison. Nathalie Morello. Oh, est-ce que tu... Morello, ça me dit quelque chose. C'est pas sa femme, là. Oh, merde ! Putain de chiotte ! Ah, je suis en train de te pousser, là. Oh putain, c'est un cadavre ! Tu crois ? Elle était du dernier groupe à avoir visité l'hôtel. Non, c'est rien. Ah oui, c'est ce que j'ai vu. Oui, d'accord. Merde. Bon, je peux pas aller explorer à gauche, ça a un mur invisible. Ah, voilà. Charlie, j'ai peut-être trouvé une sortie. Non, t'inquiète. Regarde. Je regarde plus l'écran. Elle sera sûrement moins difficile à forcer. Recule. C'est pas vraiment ce que j'espérais. Oh non, je l'ai vu se faire trancher le torse par un gros crochet, comme les crochets où on accroche les cochons. Oh, ça craint. Pas dans les prémonitions tout ça là. Dans la prémonition. Ah oh, moi je suis toujours. Toi t'es parti hein, de la scène. Moi je suis toujours dans la scène. Moi j'incarne Jamie maintenant. N'hésite pas à faire pause et regarder les prémonitions. Bah pour le gars, moi, je la connais. Et elle, je me rappelle aussi, c'est je devais trouver une vieille femme sur une sur un siège, peut-être décédée, je ne sais pas. Et maintenant, je suis Keblo dans une autre partie de l'hôtel, ok. J'arrive où ton perso elle écoute de la musique en mode tranquille alors qu'on est... Enfin, bref. J'écoute pas de la musique, je suis en train d'écouter les enregistrements que j'ai fait. Ah d'accord, je croyais qu'elle écoutait de la musique parce que j'ai pas le son, du coup j'ai à what. Donc c'est le moment en fait. Toi t'écoutes ton iPad pendant qu'on meurt tous, ok, et super ouais, ambiance. Je comprends pas pourquoi, je devais préparer mes affaires pour me casser à la base. Ça va être fermé. La fenêtre, voilà, hein. Je vais vérifier. Ah, il me faut une clé. Putain mais pète la fenêtre et sors par la fenêtre, sérieux. Oh mais en vrai après on est pensé sur une toute petite île. Oh non, Locke, c'est dans ma chambre, il y a un mur qui s'est ouvert. Oui, toi, t'étais isolé, toi. On m'a enfermé dans ma chambre et il y a un mur qui s'est ouvert. Rapport médical, Miss Lucinda Monday. Ouais, Lucinda, celle qui avait été enfermée. Service médical, machin, copie directrice. Progression du cancer rend impossible toute opération ou modification de traitement. J'estime qu'il lui reste 3 à 6 mois à vivre. Elle a été déplacée dans le service des soins palliatifs. Lucinda comprend qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Elle a donc pris ses dispositions pour... mettre de l'ordre dans ses affaires. Ok. Je sais pas qui c'est Lucinda, mais en tout cas elle est morte d'un cancer. Je crois que j'ai oublié de prendre mon... Mais tu l'as pas ton inhalateur, je crois. Si, je l'ai dans la main et j'ai oublié d'utiliser. Snake on. Baume du serpent. Ça, on l'a vu ça dans la scène d'exposition du début. Et merde. 1. 1, 5, 7, 3. Ça va être important, ça. Arrêtez de laisser traîner des codes. Arrêtez de laisser traîner des codes. 1, 5, 7, 3. Ok, vous retenez le chat. 1, 5, 7, 3. Et elle regarde toujours derrière. Hein. Non ! Lâchez-moi ! Mais non, mais c'est rien, c'est un mannequin, t'inquiète, meuf. Un bout de plastique. Attends, je peux regarder les prémonitions. J'ai peur. C'est quoi, c'est dans les secrets? Secrets! Les images. Voir prémonition. Ça, c'est laquelle? Ouais. En fait, je vois que toi, tu. Oh, j'avoue! Mais c'est toi que j'ai pas, moi. Ouais. C'est pour ça que je regarde toujours ceux qu'on a vus. Mais c'est celui du gars. Qui se fait trancher de torse. Ah, moi je me fais poignarder dans la gorge. Dans la cervelle, dans le. Merci. Oui, mais je crois qu'en fait c'est ton cadavre que je trouve. Genre, j'ai Jamie, le deuxième truc, on dirait qu'elle trouve. Elle trouve Erin morte, on dirait. C'est peut-être pas ça, mais bon. C'est.
remonte-moi la vidéo que moi j'ai pas, celle d'en bas. Hop, je te remonte ça. Celle-là. C'est un gars, c'est je sais plus comment il s'appelle, qui se fait transpercer là, le chef qui se fait transpercer par un gros crochet comme pour mettre les ports. Ah mais donc ça c'est ce que toi tu as vu, ok. Ouais. Ok. Oh. De quoi on avait dit 1, 5, 7, 3 bah, let's go. Ah, je trouve une clé. Ok, je sais ce qu'elle ouvre. Lounge. Ok. Je suis dans un labo. Ouh, ça a l'air glauque ce ton truc. De lobotomie ou je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que ce merdier. Non mais t'en approches pas. Bon ça j'ai vu ça, je peux examiner. Ah bah voilà. J'étais sûre que c'était le bon. C'est pas un 5-7-3 ? Ah merde ! Je tente à l'envers. Bon. Bah, j'avoue qu'en même temps, c'était juste à côté. Donc ça veut dire qu'on a un 5-7-3 pour un autre truc. Et toi, si tu trouves un code, tu me dis, Jilo. Elle en peut plus, elle va crever. C'est exactement la même maison, ils ont réutilisé les mêmes props, le même setup là que Resident Evil. Lequel, je sais plus, le 2 là. Je sais plus. T'es encore tout emmêlé la nana. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, ce perso, ouais, moi je... Faut pas, hein. Je le maîtrise pas celui-là. Oh, sympa ici l'ambiance. Une dame... Au coin du feu. Ah, il y a un mec à côté. Regarde. Le touche pas ! Attends ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je le touche ou je le touche pas ? Private room lounge. Lox, t'aurais fait quoi, toi ? À toucher. Bien joué, ah bah docteur K. Elle a pas touché. Tant pis. Tu veux que je touche ? Comme tu veux. C'est toi qui vois comment tu veux jouer, t'inquiète, hein. Tu n'aimes pas, tu ne le fais pas. Ouais, m'en fous, c'est vous qui regardez. Moi. Je suis pas là. Vous m'avez Ouh. Jamais vu. Wow. Putain de merde. J'avoue que c'est giga glauque là. J'ai entendu, c'est dégueulasse. J'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas regardé, mais j'ai tout entendu. Ah, examiné. Je peux pas examiner plus ? Si, peut-être. Attendez, je vais mettre en face d'eux. J'ai trouvé un téléphone mobile. Il est dans une vitrine. Il est allumé. Je vois tout ce qu'il a écrit. Il n'y a plus que 20% de batterie. Laurel, c'est qui ? La petite meuf sur la photo ? C'est carrément ton type. T'es trop prévisible. Prévisible, espèce de nul. Arrête. Moi, j'aime bien les meufs qui ont du caractère, pas les coincés. Elle est timide. Hein ? Pas idée. Cette fille c'est un nous, alors. L'air perdu. 12 pièces. Petite partie fine de mannequin, bah oui. Bienvenue au musée Grévin. Ah, une petite partouze du musée Grévin là pour le coup. Petite soirée, on va dire, naturiste, plus qu'une partouze. Oh non, mais elle est encore emmêlée, regardez, elle fait n'importe quoi. Eh, franchement, Jamy, tu es insortable. Voilà, je le dis. Insortable, la meuf. Oh. Oula, les portes se sont fermées derrière moi. C'était peut-être pas malin de faire ça maintenant. J'avoue, je pensais que je pourrais juste voir une note. Oh, je te vois. Oui, j'ai mis un vidéoprojecteur et je te vois. J'ai allumé un vidéo. Make her... De quoi? Make her hide in the... Cupboard. C'est quoi cupboard? Je t'entends. C'est quoi cupboard, en vrai? Cupboard, c'est le placard.
Ah, bah faudra que tu te caches dans le placard alors. Si t'as le choix, cache-toi dans le placard. Oh ouais, Erin ? Jamie ? Tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es en danger, Erin. Comment tu... Écoute-moi bien. Fais exactement ce que je te dis. Jamie, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que t'es ? Je te... Écoute-moi. Il te tuera si... Indy, dis-lui de se cacher dans le placard ou je la tue. Oh non, 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 non ! Erin ! Y'a un placard, cache-toi à l'intérieur, vite! Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Cache-toi, Erin! Pourquoi tu me dis ça? Cache-toi, vite! Erin, vite! Erin, écoute, confiance. Tu vois bien qu'elle est paniquée! Where's the cabber? Allez! C'est beau, il est le cabber. Regarde autour de toi, t'en verras un. Ou alors t'auras un zoom dessus, ou je sais pas. Il est dans la pièce... Je vois ta rediff à côté. Un gars avec un masque et un chapeau. Je crois que c'est celui qui a. J'aime pas ça. Mais pose pas de questions, ouais, je suis conne. Non, mais oui, effectivement. T'as envie de dire, non, mais t'as vu un mec dans le placard, tu le sais. Enfin, t'as vu un mec. Quand personne te croyait, là maintenant crois Jamie, quand t'as dit de te cacher quoi. Bon, elle l'a cru mais... Je vois plus rien. Moi j'étais en noir complet. Oh, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout si on est mort. Il fallait que je parte, hein, Lux. Il fallait pas que je me cache. Alors, non, moi je suis sûr qu'il t'aurait rattrapé. Je suis sûr que t'es safe. Moi je vois une autre scène. Charlie aussi, Jamie une... Eh oh! Mais où est-ce qu'ils sont? Qui écrit ce message? Sûr, mais oui, je sais pas. En train de se demander où on est. Bah c'est le meurtrier en fait, c'est Kate, ça le problème. Regarde ça. C'est le meurtrier qui a écrit le message d'éviter de se cacher dans le placard, donc en soi, c'est ballsy de le suivre ce conseil. On est coincé? Moi je suis sûr qu'il fallait me suivre. J'en ai bien l'impression. Attends. Chut. Quoi? Chut. Tu entends? Tu crois que c'est eux? D'où est-ce que ça vient? Il y a quelqu'un dans le restaurant. Oh! Ça suffit. J'aimerais porter un toast. On dirait bien. Ah, il a reproduit notre dîner! Dernier repas en équipe. Vu votre attitude à tous. C'est badant. Moi, mais c'est stylé. Et mes apôtres. Non. Non, attendez. Une minute, je n'arrive pas à savoir qui est Judas ici. C'est quoi ce bordel? Mais qui peut faire un truc pareil? Mais j'en ai marre encore des questions. Avec moi. Ah, sinon, je pouvais dire un truc nul. Enfin, je pouvais dire ne bouge pas. Du coup, bon. Mais après, elle dit qui? Bah oui, non, mais c'est vrai qui? Parce que le gars, comment il s'appelle Demet là? Eh ben, il est parti. Du coup, c'est qui, ouais? Okay, qui fait ça? Moi je cherche même pas à savoir qui c'est. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut partir, qu'importe qui c'est. Bon, c'est vrai. Ouais. Qu'importe l'idée qu'il a dans la tête en fait. Il faut se barrer. Ça, c'est Jamie. Ça, c'est Erin. Erin. Oh putain. C'est complètement dingue. C'est quoi tout ce bordel? Ira bien. Martin. On est obligé de les regarder en gros plan ou pas là, ces bonhommes? Ça sert à quoi? Je sais regarder, moi ça me fait flipper. Je sais pas, je les regarde. Est-ce que quelqu'un a reçu du mètre ? Oh ! Je mets une pièce. Putain, Marc. Il a les mêmes fringues que toi. C'est maintenant que tu le remarques ? Bah il faut que je zoome sur eux pour qu'il y ait une interaction, sinon il n'y a pas d'interaction. Ah bon ? Bon bah fais-le. J'ai pas qui a fait ça ? Je trouve ça vraiment flippant. Voilà, je les ai tous vus. Sauf toi, sauf ton perso, sauf l'autre perso là. Il lui ressemble vachement. Pourquoi quelqu'un se donnerait tout ce mal? Histoire de nous faire flipper? Mais... Ah oui.
tuer surtout, mais on s'en bat avec en fait. Mais pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après? On va sortir. Ouais, je sors avec toi. Du mec? Ouais. On peut aller n'importe où. Oh punaise. Attends. Pourquoi la porte du hall est fermée? C'est toi qui l'as poussée? Bah non. T'as mon coup. Alors qui? Alors, je fais juste une petite photo. On peut pas mettre de lampe là par contre, moi. Tu entends? Des pas. Ah, le fait d'avoir pris une photo, ça a déclenché le truc. Watch out. Watch out. Ah, attention à toi. Oh, putain, faut pas que j'en rate. Je me suis loupée. Le premier. Jamie. Oh, ça va. Ouais. Vous êtes nul pour la discrétion. Est-ce que ça va? Pas vraiment. Cette baraque, c'est un cauchemar. Oui. Ils sont pas très... Du maître a tué le gardien. Oui, je trouve aussi, oui. Quoi? Sous nos yeux. Ah, mais c'était le gardien? Du maître? C'est un traquenard. Il portait un masque et je sais que mais ça non, mais c'est dingue, pas du maître, mais c'est sûr. Pas une blague. Et maintenant, il en a après Erin. On doit partir. Hé, minute. Il est où, Charlie? J'en sais rien. On a été séparés. Non, mais c'est pas possible. Vous savez, comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac... Dites-moi que je rêve. ...et les accusations. Corps... Tchè. Putain, fais le taire. Tchè. 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 Corps... C'était quoi? What? C'est un faux. Un accessoire. Ou un œil d'animal, forcément. Non, je rêve. Non! Ah! Oh, c'est un vrai! Putain, je vous l'ai dit que c'était du délire! Foutons le camp d'ici. J'avoue, il est où, Charlie? Sans mauvais jeu de mots. Fermé. Il est mais qu'est-ce qui se passe charmé. Cette porte aussi est fermée. Il y a tellement de trucs que j'aurais ramassé pour me défendre au moins. Oui, t'as clairement. Envie de jouer? Sors de là. Rien qu'un bout de meuble, un bout de bras de mannequin, j'en sais rien, mais tu prends un truc. Un chandelier. Voir cette scène là, on sait ce qui va se passer. Bah justement, on peut peut-être l'empêcher. Parce que les prédictions, on peut les empêcher. Dilo joue Erin. Donc elle est toujours en vie. Si tu joues Erin, c'est qu'elle est toujours en vie. Dans le placard, elle est toujours en vie. Regardez. J'ai cru qu'il allait nous faire le coup de ton perso là. Ah oui. Ça est dans tous les sens. Non, c'est que Jamie qui fait ça. Ça. Tout va bien, Cortane, tout va bien. J'entends de la musique où je suis. Il y avait un truc dans la bibliothèque, là. Mais pourquoi le jeu me dit Dilo joue Erin alors que c'est pas vrai? Et pourquoi je vois rien? Je viens de ramasser la clé, là. Il y a un truc qui veut lui traverser l'esprit, le cerveau, je veux dire. Moi j'ai un chargement. Je réfléchis, soit je passe par là, soit je regarde. Jamais. Encore un bug. C'est pas trop hein, peut-être qu'il fallait attendre que j'arrive. Mais j'entends mes persos bouger en fait quand je bouge. Ah, mais non. Attends, je quitte. Ouais, parce que je peux même pas faire start. On réessaye.
Ah, j'ai un petit chargement. Connexion avec l'autre perdue. D'accord. Ouais, donc il y avait vraiment un bug. Bon, vaut mieux... Comment ça va? Un bug qui bug, ça s'annule pas? Ça va, merci. Je suis un peu dans le mal, mais ça va. On va y arriver. On va sauver tout le monde. Oui, effectivement. J'étais censée voir des trucs que je ne voyais pas du tout. C'était quoi, 1753, c'était ça? 1756, 1758. Là, 1, 5, c'est Charlie. 1, 5, 7, 3. Est-ce qu'il va bien? 1573. Ok. C'est bien lui. On doit entrer avant que quelque chose arrive. Ah! Non mais... Hey, please, le jeu quoi! Stop avec les bugs, 2 minutes! Regardez! Il a pas de bras, c'est Rayman! C'est Rayman! Les dents du mec, c'est celui de Charlie. Adieu. Il s'est fait avoir par Dumet. Non mais arrêtez de conclure trop vite là! Fermez-la! Allez, le code là! Les années sont le vin qui remplit la coupe du temps. Non, j'arrive pas. Regardez ça. Il y a une raison pour laquelle je peux pas. C'est une énigme. Parfois, si une tu peux juste de pas. C'est logique, bah, non? Dans la première, j'ai plus. Les gadgets, les pièges, ils jouent. Je suis pas hyper fan des escape rooms mortels. Réfléchissons. À part H.H. Holmes, qui d'autre pratiquait ce genre de jeu? On fera un profil quand on aura le temps de s'offrir ce luxe. Rouge 1. Ah, rouge 1. J'essaie de trouver un moyen de sortir de son jeu. Ok, mais en attendant, je crois qu'on va être obligé de jouer le jeu si on veut sortir d'ici. Oui, allez, lâche. Rouge 1, allez. Ça a peut-être un rapport avec les dates sur les bouteilles. C'est quoi, c'est un... 9. Vert 9. Vert 9. Rouge 1, vert 9. Oula, ta tête, attention à ta tête! Attention à ta tête, y'a un trou dans le mur! Y'a rien, y'a rien. C'est bon, y'a rien. Allez, allez, allez! Ah, les animations sont trop longues! Tu jettes les bouteilles, tu t'en fous, putain! Et toi, récupère tes bras, connard! Pardon. Jaune 6. Jaune 6 apparemment. C'est pas du tout du jaune mais c'est pas grave. Rouge 1, vert 9, jaune 6. Je vais activer un... Attends. On y est. La dernière. Bleu 8. Bleu 8. Ok attends, je vais faire juste un truc. Bleu 8. Alors rouge 1. Allez. Rouge 1. Bleu 8. Vert 9. Jaune 6. Voilà. Ça y est. Tu peux ouvrir une porte. Ouais mais j'ai pas eu le temps d'activer mon bouton du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Ah merde. Oh merde. Je croyais que ça... En fait puisque moi ça faisait tic 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 tic. J'avais pas le temps et j'avais peur que ça s'est... C'est Charlie, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde. C'est quoi cet endroit ? Mais reste pas dessus, je t'en supplie. Il y a des flammes qui vont sortir de ce truc là. Ouais, il y a des flammes qui vont sortir de ce... Ah, mon dieu ! Non, non, mais attends. Hé, qu'est-ce qui se passe ? C'était la... Regardez. C'est pas la... le truc que j'avais ça devant moi. Ça doit être moi, lié là, à là où est Charlie, non ? Ah ouais! Appuie pas sur le levier! Hein. En fait, il est déjà mis à fond! Il se passe un truc! Faut le sortir de là! Mais comment? Il y a 3 flammes là où il est activé,
Il y a zéro flamme en bas. Le méchant, ou une. Il est devant moi. Le méchant, il est devant moi. Je fais rien pour le moment, de toute façon, je peux rien faire. Mais c'est quoi cette horreur? C'est un de ces trucs. Hé, hey, s'il y a du gaz là-dedans... Faut faire quelque chose. Faut baisser le gaz, faut baisser le gaz. Il s'est mis à fond, faut baisser. Faut baisser le gaz, allez, allez, allez. Je peux dire quelque chose? Oui, tu peux dire quelque chose. Oui, oui, baisse. Ça fait quelque chose ou pas? Si on reste à rien faire, Charlie est mort. Mais j'ai baissé. Non, Dumet veut qu'on l'utilise. C'est encore un jeu, je le sens. Ah bon pas. Mais je viens de le faire. Là, sans rien faire. Active-toi, Charlie. Comme ça, Dumet veut qu'on l'utilise. Je viens de l'utiliser. Allez, faites quelque chose, bande de nuls. Je suis en train de mourir, Lobs. Bah oui, mais j'ai essayé de baisser le feu, ça a rien fait. Et le gars, il a dit, non, je le sens pas. Là, je peux pas, c'est horrible. Alors, attendez, on est d'accord que... J'ai pas compris ce qui s'est passé, là. J'aurais pu le sauver. C'est horrible. Mais je comprends pas pourquoi t'es mort. Ah, c'est horrible. Il m'a dit non, je veux pas l'activer. Quelle, mais il l'a activé. Triste façon de partir. Je m'interroge sur les chances du groupe. J'ai rien capté. Bah oui. Il peut s'avérer parfois difficile de travailler avec quelqu'un qu'on a aimé. Mais je crois que il y a vraiment eu un truc bizarre. Trouveront une solution. Et apprendront de nouvelles choses l'un sur l'autre. Que pensez-vous des superbes animatroniques de Monsieur Dumet? Je les trouve ingénieuses. Certaines sont extrêmement réalistes. Je me demande d'où proviennent les pièces. Il serait équitable, à ce stade, de vous offrir un petit indice pour équilibrer la donne. Qu'en dites-vous? Oui, moi je veux l'indice puisque ça donne des infos sur le lore. Donc moi je mets oui. Mais moi je peux pas continuer la série. Cherchons l'inspiration dans les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle. Arrête après alors, si tu veux. Après cette scène, si tu veux. Il semble que notre ami Herman Mudgett vouait une telle admiration à Sherlock Holmes qu'il lui a emprunté son nom. À Chachan. Voyons. Il a un cerveau merveilleusement organisé. Il reste immobile comme l'araignée au centre de sa toile. Mais cette toile a 1000 ramifications. Et il perçoit les vibrations de chacun de ses fils. Ça dépend peut-être plutôt d'autres choix. Cela vous aidera, j'espère. J'ai absolument pas écouté. Je suis encore en train de voir le mec qui est en train de cramer. C'est un tout petit... je sais pas, il nous dit juste que le tueur est très organisé et que... Il reste tapis dans l'ombre. Ça nous aide pas du tout. Vous devriez y retourner. Bonne chance. Hé, hey, tu entends? Ouais. Ça vient. Vous arrêtez clairement, dis-le, si reprendra jamais. C'est vrai. C'est encore un piège. Ouais. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Moi, je pense qu'on peut le finir. On va bien voir. Ils sont pas très longs, ces jeux. Super lumière là. C'est mignon, Cortane. Vous êtes sûr de vous? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres options. Oh, c'est horrible cette histoire d'appareil photo là, je vois R. Faut vraiment que je reste collé à toi parce que je vois rien. Je suis avec toi. On est où là?
On est dans des toilettes. En fait, elles ne servent à rien les pièces, hein. Et là, Gilo ? Je passe devant. Regarde. Du sang. Oh, et merde. Spa Columbus. Ah, c'est un spa ici. Je suis Laura de la Fédération. C'est quoi ça ? Les portes du spa Columbus sont ouvertes. Nous traitons chacun de nos visiteurs. Mais ça devait être trop bien ce spa. C'est un foiré. C'est pas mal. Ils nous observent. Ah oui, ils nous observent, sans la remarquer quand même, les gars. Oh, il y a un cadavre. Jessie Clark. Ok. Chef de chantier. Qui est décédé. N'importe quoi, pour Dominga. J'espère qu'il va bien. Keep looking around. Ouais, keep looking around. Elle avait un truc tombé, je crois. Mais bon. On la joue pas, alors on s'en fout. Elle avait un truc ? Pas trop quoi en penser. J'essaie avec l'appareil photo. Bon, j'ai réussi à faire un zoom sur ma propre chemise. C'est pas possible ça. Hein. Putain, t'es vraiment photographe très nul, mec. Hein. J'ai pas compris comment c'est possible. Regardez, là, je fais un zoom sur mon propre visage. Arrête de faire un selfie, espèce d'égoïste. La mise au point, elle est aux fraises. Va, Dilo ? Ouais. Oh. Bon, je suis là. Bon, je sais pas où aller là. Je vais voir s'il y a pas un truc à trouver. Attends, la nana, elle est restée là, peut-être qu'on lui parle. This way. Ouais. Il y avait rien à... Je comprends pas, ça servait à quoi d'inspecter là-bas. J'avoue, il y a un truc que je comprends pas non plus. Je sais pas ce qu'il y a à regarder. On repart. On descend et je vois ailleurs. Tu peux pas photographier ce qu'elle est en train de regarder là, son corps qui est là-haut, au-dessus de l'escalier. Ah, je vais essayer de voir. Passer là où je suis passée. Gilou, elle est à sa tablette troisième d'anxiolytique là, c'est chaud. Mais oui, la pauvre, mais elle est pas le jeu d'horreur, hein, faut savoir. Hein. Elle fait ça parce que, que j'ai essayé de la motiver. Et maintenant, elle regrette. Encore des cauchemars d'un appareil dentaire que j'ai quand j'étais petite, alors là, ce genre de truc, ça va rester à vie. Ouais. Les clients souhaitant des soins de groupe sont invités à se rassembler à l'entrée du hall. L'entrée du hall. Oui, d'accord. Ah, je peux peut-être monter là-haut aussi. Oui, mais c'est... Regarde où la fille elle était là, dans la rue. Il y a un passage.
Bah, le problème, c'est que... Jean Larousse est à sa gauche. Là, la barquette verticale, la longée. Okay. Entre la piscine et la barquette. Ah. Regardez. Le panneau du hall. Ah bah enfin, j'ai une interaction. Ah oui. Bien wesh. Arrêtez de vous séparer, bordel. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. C'est long. Accélère, mec. C'est par la porte, je sais pas quoi, ou là y'a quoi. Ouvrir. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu penses. Oui, oui, tu peux. Ça va arrêter mon... Je sais pas laquelle. Ah, alors celle où il y a juste écrit ouvrir, ça va pas s'ouvrir, je parie. Celle où il y a écrit des flèches, c'est la suite. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Merci Cortan. Gentil. Allez, j'essaye de courir, mais il est trop long là. Oh là là. Il rend dingue. T'as vu ou pas ce qui s'est passé là? Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas eu moi cette action. Bah, pendant que j'étais en train de monter l'escalier, il y a un. Ah, trop stylé. Le bandit. Marc, t'as regardé de loin. Va falloir que tu m'aides. Je crois qu'on peut défoncer cette porte. Salut, Moglobine. Je peux prendre une photo de Columbus pas. 3. Ah ouais, il fallait plus que je le fasse, j'avoue. 1. Go. Bon, j'ai bail. J'ai vite pété comme ça là. Clairement. C'est quoi les soins de couple, c'est ça? Kate? Qu'est-ce qui s'est passé? On te rejoint, reste ici. Dépêchez-vous! Non mais vous êtes trop serein. Arrêtez d'être aussi serein. On te rejoint, on s'appelle, on se fait une bouffe. On te rejoint, on sait exactement comment faire, on sait exactement ce qui se passe. C'était pas dans le script, je... Hein? Qu'est-ce que c'est que cette réaction de la voix par contre? Oh, je vois rien, ça rend ouf. Là, je trouve la lumière non plus, elle fonctionne pas là. Y'a pas des indices ici, j'en ai pas trouvé. Ah, mais avec ma lampe, mon flash là, je vois tellement rien. Oh, t'es... Oh, putain. Là, on veut passer. Là, par-dessus la commode. On peut aller à gauche là. Enfin, tout droit du coup maintenant. Non, mais la commode aussi, tu sautes par-dessus. Ce que je veux dire, c'est que là, on peut aller ailleurs, examiner c'est quoi. Ah, une carte. Une carte de qui? Grand thème du Dulder. Ah ouais. Grand thème du maître. Maître d'œuvre. Il y avait écrit designer sur une autre carte. 2 sur 5. Bah, en fait, il fait plein de trucs. Bah oui, comme Chachom, parce qu'il y avait plein de métiers, rappelle-toi. Il disait oui, je suis ça, et ça, et ça, et ça. Tenez-vous la main, attachez vos ceintures. Et c'est sûr de vous. Bon, bah même la voix, elle a pas l'air de savoir ce qui se passe. Les casiers, là, y a un corbeau. Ah. Qui s'est envolé? Oh, j'ai vu passer. J'ai vu passer un gars au moment où j'ai arrêté de regarder. Moi, j'ai peut-être un endroit par où sortir. Toi, t'as une issue ou pas? Non. Moi je vois ton mec qui est planté devant un mur depuis tout à l'heure. Ah oui. Ah ouais non, et je suis devant une porte. Mais c'est pas une sortie. Ah, et ici il y a une salle. Ah parce que moi j'ai peut-être une issue. Il y a un cadavre là. Oui, il y a un cadavre encore d'un mec de chantier. Ah non, c'est pas un vrai cadavre. C'est un faux mec pendu. Là cette fois c'est qui? Franck. Al... J'aimerais bien pouvoir lire, mais c'est pas grave. Aldeman. Aldman. 10. À combien de pièces? La voix, c'est pas Erin en panique? Je sais pas si c'était une voix qui disait c'est pas dans le script, donc je pense pas. J'ai combien de pièces? J'en ai genre 12. J'en ai 19 maintenant. Ouh, bien joué! Je suis passée, je sais pas, de 11 à 10. Oui, t'en as trouvé une qui t'en a donné beaucoup, moi aussi ça me l'a fait une fois. Bah c'est bien, ça veut dire que ça s'équilibre. Même si je sais absolument pas à quoi ça sert, parce que bah pour le moment on a rien pu utiliser du tout. Ça va ça? Bon alors je sais comment par où on passe. Il y a dans le plafond là. Oh les flashs, ça nique les yeux, j'en ai marre. Ouais. Je veux un autre système d'éclairage, please. C'est où là? Bah, j'avais trouvé une petite pièce, je reviens. Attends, un croisement. Une pièce? Hop là, là. Ah ouais.
observent quand on est en train de monter là. Ouais. Mais non, c'est juste un mec qui est mort hein, quand j'ai une garlande. Ah là là. Compte sur moi. Imagine, il sort, il dit c'est l'Halloween, on veut des bonbons. C'est l'Halloween. Oh. C'était quoi ce truc? Scissoring. Bonjour à ta sœur Cortan. J'ai trouvé une carte d'identité par terre, Monica Hart. Monica Hart. C'est quoi comme... C'est encore de... un quelqu'un des chantiers? Enfin, quelqu'un qui a un... Logistics coordinateur. Ouais, d'accord, regarde. Effectivement. Sept. C'est une scène dans la nonne, ça? Ok. Lock sera à la ref. J'ai complètement la ref. Et cette scène me fait très très rire. Dans le donjon de Halbeck. Il y a un cadavre accroché dans un arbre. Tu croyais que c'est un message? Bah non, c'est juste un mec qui est mort en accrochant une garlande. Ça sent la peinture dans ma maison là. Tu sens l'odeur des travaux dans ta maison. There must be a way out. Ouais, ouais. Oh, faut rien s'y péter. J'ai envie de savoir c'est quoi cette odeur. Vas-y. Je vais faire pause au cas où il se passe un truc. On ne sait jamais. Au moins, on sera synchronisé. Si, genre, imaginons, il y a un timer ou je ne sais quoi, je préfère. Ouais, non, c'est bon, c'est une allumette qui a craqué. Pas bien. Et bizarre ta peinture. De quoi? Et bizarre ta peinture. Tu peux arrêter de parler en anglais? Non, c'est parce qu'il est un peu à moitié américain, en fait. Par où? Mais attendez. I'm from Michigan. Perdu, là. Il doit y avoir un moyen de sortir. Ah, bah là, il a traduit ce qu'il a dit tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que je peux examiner? Ah, une petite pièce! Je me tâte à augmenter la luminosité, en fait. Ouais, c'est insupportable, hein. Vas-y, on l'augmente. Allô? Attends, accessibilité. Je me mets à 100%. Ah oui. En gameplay, plutôt. Oui, c'est... Non. Non, c'est dans l'affichage. Luminosité. Ah, on est en difficile? Je sais pas. Difficulté. Pourquoi j'ai vu difficile sur ton truc? Merde, c'est pas... C'est un gameplay. J'ai arrivé. Ah, on est en difficile. C'est quoi cette histoire, putain? Bah, en même temps, bon, on a rien eu... Enfin, c'est que des choix, quoi. Bah... C'est les QTE qui peuvent être difficiles. Mais si tu veux mettre en facile, tu peux. Même à 100%, tu vois rien. Il y a des palettes. Contorsionniste, c'est bilingue, exactement. Alors, ouais. Tu peux monter sur la palette et il y a des trucs. Tu peux regarder vraiment par terre s'il n'y avait pas d'autres objets. Bah, moi, j'ai trouvé une petite pièce. Mais c'est tout, y a rien. Ouais. Mais avec mon flash, c'est horrible. J'essaye de bien regarder, mais franchement, c'est, ça me prend la tête en fait de passer mon temps. Je sais même pas où je suis tellement. On voit. Putain, je te déteste, mec! Arrête! There must be something useful around here. Ah, something useful. Too to far. Allez, saute, ouais. J'en ai marre de cette zone, on voit rien, ça me saoule. Allez. Regarde comment je me déplace quand je sûr que je vais être en train de slider sur la pente. Sur la pente. Keep walking around. Okay, bah j'ai la suite. Je le fais comme ça va peut-être aller plus vite. Oui. Ça va faire l'animation. Ah non, ça m'attend. Ouais. Ah. On est encore observé. En difficile, le gamin est à 3 plutôt qu'à 6. Oui, c'est ça. Hein? On a raté? J'ai appuyé sur le bon truc. Hein. Elle fait ça avec une main, elle.
Il galérait un peu avec son flash là. Je peux venir à nous, je fais un petit flash. Oh, voyez-vous ça. Super. Ah, je te prends photo pendant que tu fais ça. En plus, t'as vraiment pris la photo. Oui, puis j'ai une animation vraiment d'une, voilà, d'une beauté comme d'habitude dans ces moments-là. Quand je vois ton perso en train de faire l'animation, c'est toujours fou, quoi. Ah oui. Mais c'est pas besoin. Je peux photographier pendant que je rampe aussi. J'aimerais bien. J'ai réussi. C'est flou, mais j'ai réussi. Non, là, on va avoir une autre scène, là. Oh oui. Oh putain, faut encore qu'on fasse un truc. Espèce de message. Il essaie de nous faire peur. 9 secondes. Ou de nous aider. On fait 9 secondes. Je peux activer le bouton. Là, je peux pas ouvrir la porte. Pas de on clé. Va. T'as pas de clé, toi, non? Non. Je vais vérifier, mais normalement, j'ai pas. Oh, tes yeux peuvent être ouverts avec des clés, mais merci. Je vois si je peux prendre une autre photo. Non. Bon bah. C'est pas en la prenant plutôt qu'en visant. Ah mais j'ai prise déjà en fait, j'ai prise déjà une photo là, il a dit c'est quoi ça, tu crois que c'est un message? Allez. Vas-y Dilo, you can do it. C'est que des mannequins, oui. Là, bon, c'est glauque, mais c'est moins glauque que ce qu'on a vu jusqu'à présent, finalement. Vu que c'est des mannequins. On fouille un peu. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à fouiller. Le mari de Madame Hart, j'ai Ryan Hart. Spa Master. Ok. Elle est en train de se barrer toute seule, la fille, là. Je la contrôle plus, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah attends, elle va où, elle va où? Je vais ouvrir la porte alors. C'est que t'es non mais... c'est que t'es bugué. Ouais, ouais, elle est en train de partir, elle vite. Ouais, c'est que t'es bugué. Je suis en train. Ah merde. C'est bon, je peux refaire un peu. Ah oui, non, mais t'es vraiment en train de. Je peux l'empêcher d'aller à travers la porte là, mais non, je peux pas. Elle se casse, elle a dit non. Nope, 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 nope. Comptez pas sur moi, les dudes. Fais-moi sortir de là, là. Putain. Attends, bah je. Ah, mes touches, ok. Attends, comme moi tout à l'heure. Je sais pas trop par où je dois aller. Ah là, je peux faire ça. Hop, on prend. Je peux pas sortir de là. Ok, je suis à 18. Bon, je cours pour me barrer pour que tu puisses sortir de ce délire. Voilà, là ça va te faire venir avec moi. Par ici, une porte. Ah. Aide-moi à enlever ça. C'est trop peur. J'adore le fait que le jeu lui-même dise non. C'est bon, on arrête là. Ici. Kate. C'est bon. Tout va bien. Kate. Oh, on a trouvé tout Kate. Va bien. Oh, génial. On a une clé. J'ai pas d'appareil photo. Ça fait peur, j'ai l'appareil photo comme ça, je veux quand même. J'ai vu. Ah
une photo comme ça. Tout va bien. Hear that? Par là. Oh là là. C'est le nombre de personnes qu'il tue. Il a tué plusieurs personnes. Mais oui, les mannequins qui meurent à chaque fois. Donc, ah, c'est les mannequins. Ouais. Ok. Approchez pas. Après, il faut qu'elle crie pour que tout le monde l'entende là. Elle a crié pour moi, mais effectivement. À aucun moment il y a une fenêtre par laquelle tu peux sortir. Oh non, pas la chambre froide. Ah, la chambre froide. Ça craint. Ressort. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est idiote. Merci Hanté, il est fantastique ce clip. Bon, il va l'être. Kate, stop, c'est un piège. Oh, merde, je le savais. Ouvre-moi cette putain de porte. Erin, y a quoi là-dedans? Tu peux sortir? J'entends pas ce que tu dis. Ah, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup effectivement de problèmes d'animation et de bugs. Oh, par contre ça c'est stylé comme mise en scène. C'est quoi? De la rousse? C'est quoi ça? On l'a pas vu. Ah d'accord, il manque d'oxygène. J'arrive pas à respirer. Ces fenêtres sont soudées à la paroi. Ce salopard veut absolument qu'on regarde. Attends, là. Un levier de commande. Oh. Ça leur donnera de l'air? Non, pas à toutes les deux. C'est le ver qui en oriente ce levier. Non, elles meurent pas de froid, elles vont mourir de manque d'oxygène. Il veut qu'on choisisse, c'est ça? Oh putain! Je refuse. Si on reste à rien faire, les deux vont mourir, Marc. Peu importe qui vous sauvez. Il va tous nous tuer de toute façon. Selon moi, c'est faut pas là, comme ça qu'elle meurt, la maintenant. Mienne. La Eri, là. Faut tuer celle de gauche, hein. Kate. Ah ouais? Oh, sérieux? Non, en fait, non, je crois qu'il fallait tuer celle de droite. Non. Merde. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aurais rien fait, moi. Les deux. Moi, je sais pas, en fait. Merci. En fait, non, je voulais faire d'autres parce que je savais qu'elle allait pas mourir comme ça. Non, Kate. La fenêtre. Il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. Okay. Incroyable, okay, bravo, Gilo. Non, mais non, mais c'est pas logique, ça. Bah écoute, je m'en fous que ce soit pas logique, ça a l'air de marcher, non? Ça va peut-être marcher, on a peut-être un truc à faire. Laisse-nous essayer le jeu. Et vous, aidez-le là, plutôt que de regarder. Mais non, mais c'est pas collé. Pourquoi? Hein? Merci beaucoup, Blazer. C'est bon, je te tire. Blazer, salut à toi. Non, moi c'est Lox. Oh merde. Ok. Je vais bien. Tu voulais te coller ta bouche à la fenêtre. Ça va? Parce qu'il y a une fuite d'air, donc je sais pas, t'essaies de respirer là. Oh merde. Ah, tu parlais de l'autre. Elle va bien.
Oui, j'avoue, j'avoue. Et Madame Royale, salut! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors maintenant, on m'écoute et on ne se sépare pas. Et on essaye ça. D'une blague. On fait ce qu'on peut. Ils se séparent toujours là. Mais à cause aussi des murs qui montent et tout qui sortent. Toi, fiche-moi la paix. Bon, il faut qu'on soit plus malin que lui. Avant que l'avenir finisse comme Charlie. Vous êtes vraiment débile. Hein, Charlie est mort. Dumet l'a eu et nous a forcé à jouer à un jeu. On a dû le regarder mourir. Il faut un plan. Oublions les jeux, les pièges, toutes ces conneries. Repensez aux tueurs dont on a parlé. Ils ont toujours un point faible. Tu proposes qu'on invite pour un thé, une psychanalyse ? Je propose surtout qu'on réfléchisse. On peut toujours en débattre. Mais si on meurt ici, ça servira à rien. Je joue pas au détective, je veux juste survivre. C'est en jouant au détective qu'on survivra. Si on rentre dans son jeu, on perd. On doit être plus malin. Il essaie de nous buter un par un. Il te regarde. Il faut qu'on reste groupé. Attends. Après, en vrai, il avait... Il était en train de nous écouter. Ah, attends, il a pensé comme toi. Où est-ce qu'on va ? De quoi ? On retourne au bateau. Bah, il a dit, il était en train de nous écouter. Il est relié à un câble, on peut peut-être le ramener. Peut-être ça suffira pas. Mais faudrait qu'on voit ce que c'était le point faible d'Achachon. Attends, on avance sur moi. Il y a bien des bateaux de flics qui patrouillent sur le lac, non ? Ah ouais, un petit peu, ouais. Un phare, ça se repère à 10 km. Il a sûrement installé des pièges partout. Alors il va falloir être extrêmement prudent. C'est notre seule chance. Non, mais vous en plus, filmé. Il continue à parler à vous, du coup. Sans preuve, personne ne nous croira. Tu veux que je le filme en train d'essayer de nous tuer ? Et les corps. Oui, les c'est vrai qu'il baisse pas du tout la voix. Oh, il active un bouton. Oh, j'aurais dû te taire. Vous entendez ? Par contre, j'ai l'impression que ça avait un problème. Les murs se remettent à bouger. Il y a pas que les murs qui bougent, il y a aussi Jamie. Merde ! Kate ! Attends ! Mais collez-vous au mur aussi, là. Non, oh, d'accord, on est toutes séparées. Oh, attendez, non. Merde. Restons groupés. Six seconds later. Bon. Tout ça, hein. Moi, je joue Marc. Moi, je joue celle qui t'a foutu un vent là. Ouais. Camille. Pour moi, elle bug de toute façon. Les connards, je vous jure. Par contre, elle marche vite là ou c'est moi ? Ça y est, elle se réveille. Et tant mieux. Et puis elle marche là où tu lui demandes ou c'est elle qui fait sa vie ? Ok. Ah non, mais alors comment ça fait des mouvements bizarres ou quoi là ? C'est pas très logique. Oh. Genre on dirait que elle continue à courir alors que je lui demande d'arrêter. Ah, attendez, je vais essayer de prendre des photos. Ah bon, sinon... On sait comment je meurs, moi, ou pas ? Toi, non, tu trouves le cadavre d'Erin. C'est là qu'on a vu. J'ai un puzzle à faire, le même que t'as vu tout à l'heure. Tu pourrais comment me l'expliquer ? Ah bah c'est... J'ai juste suivi... j'ai juste allumé dans le sens où c'est écrit. Avec les flèches. En commençant par le haut. Mais c'était pas le même que j'avais que toi. Donc je pense que toi il faut que tu commences... Peut-être par celui milieu. Peut-être par celui à gauche. Annonce.
Ce serait peut-être bien de commencer par... Pas facile. Par celui qui est... pas le dernier en bas à gauche, mais... au-dessus du dernier en bas à gauche. Je pense. Est-ce que je tenterai à ta place? Et après... Bah tu suis des flèches. Oh non, ah mais oui, stop. Il y a deux flèches, gauche et droite. Ouais, je sais, bah faut tester. Oh, faut que je vous cache. Désolé, là, je dois me cacher. Bah tu vas une fois en bas à droite, puis en haut, puis... Ouais, voilà. Après, maintenant, tu vas à droite, plutôt. Il est dans la pièce où je suis. Oh là là, il est dans la pièce où je suis. Comment je sais si ça a fonctionné correctement? Si c'est ouvert, c'est que c'est bon. Moi, il s'est passé un truc, mais je sais pas si c'était bon. Bah, si c'est vert en tout cas, c'est que t'as fait le bon truc, sinon ce serait rouge. Ah, ça n'y me dit. Attends, faut que je me barre parce qu'il est dans le coin. Tu es les flèches, mais j'ai suivi les flèches, je pouvais. Non, faut que je me cache encore. J'appuie sur tous les boutons parce que je sais jamais lequel. Ouais. Oh non, je suis enfermée avec lui. Avec qui? Avec le bandit? Oui. Oh non. C'est qui ton perso déjà? Je sais plus, le gars avec l'appareil photo. Alors comment il meurt lui, on sait pas. Oh là là, il est en train de découper des trucs juste au-dessus de moi, je suis cachée. Laisse cachette, j'avoue, je suis cachée sous une table, c'est pourri. J'ai appuyé sur un. J'ai fait vraiment deux fois, ça l'a pas fait. Oh, je suis dans la merde, je vais mourir. J'ai appuyé, là ça l'a même pas activé. C'est même pas que ça l'a fait trop tard ou trop tôt, ça l'a même pas activé. Oh, je suis tellement mort. Oh, je suis tellement mort alors que j'ai vraiment appuyé, au pire que j'avais appuyé trop tard ou trop tôt, ok. Mais là, ça a fait comme si je n'avais pas appuyé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu le A qui s'est activé. Et ça, c'est pas vrai, par contre. Oh, je suis dégue. J'avoue, je pense que là, c'est un bug, en vrai. Parce que c'est pas une question de timing et limite, j'aurais pu comprendre. Ça dit quoi, là? T'aurais pu ou t'aurais pas pu? Ah ouais, bah oui, c'est juste que... En fait, le jeu, il a considéré que j'ai pas appuyé sur A, alors que oui, je faisais le toun toun, toun toun, tu sais, avec A. Et à un moment, je me suis dit, bah, c'est... j'avais le bon timing et tout. Sauf qu'à un moment, bah, je sais pas, j'ai appuyé sur A, et ça n'a fait comme si j'avais pas appuyé sur A. Jeu sur quoi? Bah, on est sur PC, avec Dilo. Et 4. Oh là là, il est tellement mort, le petit gars. Je t'ai dégoûté. Merde, qu'est-ce que c'est? Ah, elle le voit pas. Oh, c'est marron. Fais du morse. C'est moi, entrez vite. Jamie? Du morse, ça c'est pas du morse. T'inquiète pas, elle a trouvé une autre solution. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un miroir sans teint. La planque rêvée du parfait pervers. Dumet nous observe et il se balade derrière les murs. T'as pas vu Marc? Non. Oh, hi Marc. Mais j'ai vu Dumet. Il rôde dans le coin. C'est bien. Et la caméra, non, on mate pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des caméras et tout ça, donc. Oh, empêche la porte de se refermer, empêche la porte de se refermer. Mais faut qu'on l'attaque tout en même temps. J'avoue. Clairement.
Sautez-lui dessus là. Ils ont pas d'armes aussi. Ils vont galérer. Bah, il y avait le trépied, il y avait le trépied de l'appareil photo. Ah bah il est pas là, il y a pas l'appareil photo. Tout à l'heure quand on est entré dans la salle rouge. Oui, non, mais ce que je veux dire c'est ah, j'ai pas vu. J'avoue, j'ai pas vu. Il y avait un appareil photo qui était qui traînait. Putain, ouais, c'est embête, hein. Franchement, c'est embête. C'est quoi tous ces trucs? Il a des écrans de surveillance, des magnétos, une table de mixage pour des tas de micros. Il a des yeux partout, pire que ça. Ouais, encore, c'est pas non plus un truc de fou. Ici, hydraulique, électrique, tout ce qu'on veut. C'est là qu'il y a tout. Ah, mais si, oui. Oui, d'accord. Le bâtiment. C'est de là qu'il contrôle tout. Tous les câbles. On pourrait s'en servir pour trouver une sortie. Cherchez s'il n'y a pas une commande pour libérer les issues. On voit nos pieds à travers. Tout est connecté. J'ai pas de bugs sur PC et des battements de cœur. Oui, mais il y a plein de bugs que t'as pas eu apparemment, en fait, Lolo, que moi j'ai. J'en ai eu quelques-uns quand même. Le bug où je pouvais pas bouger, par exemple. Si ça se trouve, s'il y a, là, il y était d'un coup, bon bah voilà. Mes interactions ne servaient à rien, quoi. Tout ça, c'est énorme. C'est de l'équipement de miroir, moi. Enfin, je sais qu'il est riche, mais il y aurait de quoi lancer une fusée depuis ici. C'est qui, ça? Viens voir. Viens voir, il y a de deux personnes. Non hein. Bah, c'est Qu'est-ce que c'est? Un mannequin. Le type qu'on a vu se faire tuer. C'était bidonné? Il n'y avait pas de gardien. Pourquoi il ferait ça? Pour nous faire peur. Nous mettre dans l'ambiance de ces petits jeux. Génial. Mais attends, Charlie dirait que ce type a une identité fracturée, qu'il porte un masque pour qu'une autre personnalité assume ses actes. Attends. C'est sans doute ce qu'il théorise, parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'un être humain fasse ce genre de choses. Oh putain! Je te vois encore dans une... Mais non, mais... J'en peux plus. C'est une erreur. Je te vois encore dans une position terrifiante. Il contrôle totalement chacun de ses actes. Moi, je me dis, imagine qu'en fait, le gars qui nous a invités dans la maison, il est peut-être pas si méchant que ça, mais il voulait qu'il savait qu'on voulait vivre une sensation forte. Regardez ce qu'il a conçu. Il est hyper méthodique. Il est pas fou du tout. Non. Mais nous, on le sait pas. Et les caméras font toute notre frayeur, etc. Et bah après, il va nous le donner. Et le masque fait partie intégrante de sa mise en scène. Au pire, ouais, il peut avoir une forme d'anxiété et le masque lui donne de l'assurance. De l'anxiété? Du genre déficit d'estime de soi? Il est mal à l'aise? On dit dans le chat, moi je pense que Gino, c'est un androïde utilisé par le tueur. Ah, le manque d'affection peut très bien. Je sais pas parce que. Mais. Ouais, ça peut-être. Pourrait aussi être de la en vrai, ça pourrait être trop cool que ce soit une émission. De n'importe genre une émission en fait. De télé-réalité, quoi. Chicago Police. Il y a un badge de la police, mais il a l'air faux. Bon, je m'en tiens à l'éclairage. C'est un mec qui fait tout faux, quoi. Je suis sûre. Après, bon, que ça va pas reconnaître un vrai, mais c'est pas ça faisait faux. Enfance malheureuse, colère enfouie. En tant qu'adulte, soit il est hyper surdoué, soit il est débile. Ah. C'est l'un ou l'autre. Et il aime être en position de force, particulièrement avec les femmes. Mais pourquoi? Pourquoi nous? En dehors d'une obsession malsaine pour Asha Holmes. Je sais pas ce qu'a fait Erin. Il copie ses méthodes. Il a des escaliers pour partir. Clairement, il a l'air de s'identifier à Holmes. Oui, on va. J'attendais qu'on ait fini totalement toutes les deux un tour, mais oui, je pense qu'on va pas rendre. Comment il a fait pour construire ça? Bon. On monte ou on descend? On peut utiliser ça pour s'enfuir? Moi, je peux encore monter, on mais on sera dans la même pièce. On peut ouvrir les volets dans le hall? J'arrive pas à avancer. Non, non plus. Si, fais un tour sur toi-même et tu marches en arrière, c'est bon. Ok. Moi, je descends, là. Ah ouais, et puis j'arrive en bas dans la même pièce, en effet. Ou ce qui était logique. Alors, j'examine le costume du tueur. Non, Lolo, elle peut pas hurler parce que sinon, elle a son coloc, qui est aussi son père, qui va la disputer. Oh là là, je vois tout un tableau et tout, avec tout plein de trucs. Moi j'ai tout le projet de costume du monsieur. Et un audio truc. Il y a toute ma vie là-dedans. Relevé bancaire, dossier médical, il sait absolument tout sur nous. Encore un bug? Il est même au courant de mon dernier bilan de santé. Ah oui, d'accord. Oh, j'en ai vraiment ma claque. Ouais, en fait, il a tous des dossiers sur nous. Nous précisément. Il sait exactement d'où on vient, ce qu'on fait et tout, notre groupe sanguin.
Vas-y, c'est du vide, ma fille. Là, oui, j'ai encore du vide. Là, ça me fatigue. Là. Allez, je fais B, je n'ai marre. Je... Voilà. Bonne nuit, Grision, bonne nuit. Oui, bisous, Grision. Je crois que je t'ai pas dit bonne nuit, désolé, excuse-moi. Bonne nuit, bisous. Allez. Ah, j'ai la suite, je pense. Ah bah moi aussi j'ai des trucs qui brillent hein. Donc vas-y vas-y t'inquiète. Ah non, oui non t'as non, raison. Non moi c'est la suite, suite. Ok. Alors attends je te dis. Michel initialement enthousiaste, de plus en plus agité, rarement seul, plus difficile à isoler. S'est promené dans l'hôtel tard hier soir, opportunité. Après un bain hors de la suite familiale. Très fatigué en fin de journée. Bois en société et profiter et en profiter puis en somnifère. L'approcher en fin de journée, lui donner du vin et des somnifères pendant le bain, l'isoler. Tiens regarde en fait comment s'en prendre aux gens. Quelle technique mettre en place? En même temps, sans douter, les observes font des jours et des jours. Ok, ok. Bah écoute, là je crois que j'ai fait le tour de mon étage. Donc okay. tu peux interagir, je pense. Alors... Mais comment il s'est procuré ça? Ouais. Over here! Ah, over here. Regarde ça. Les mécanismes, les parois mobiles et tout le bordel. Rien n'est réel dans ce trou. Ah oui, il contrôle tout depuis cette salle. C'est une usine à tuer. Exactement. Comment tu crois qu'il arrive aussi vite d'un endroit à un autre? On devrait s'en servir contre lui. D'accord. C'est quoi ton plan? Ah, on le voit. Ok, bon. Il est là-dedans, d'accord? Alors, si on arrive à l'attirer dans ce couloir, on le piège entre ces deux parois mobiles. Il n'aura aucun moyen de sortir. Il sera coincé. Donc, on fait comment pour l'attirer par là? Il faudra que l'une d'entre nous serve d'appât. Oh! Non, pas question. C'est beaucoup trop risqué, Jamie. Le laisser courir aussi. Ce serait même encore plus dangereux. Allez! Non. Non, pas question. Moi, bah dans ces cas-là, si tu... Si ça tombe mal, l'une de nous va mourir. Hey, qui se balade j'ai pas super envie couloirs, de le Nathan. Faire. Mais je supporte plus d'avoir peur même de mon... On n'aura pas droit à une deuxième chance. On a eu un plan bizarre. Qu'est-ce qui va y aller? C'est ah, toi, t'en as eu un normal. Ah. Je serai là-bas. Moi, j'ai c'est un zoom blague, sur un dos. Quelqu'un doit y aller. Attaquez-le à trois, mais grave! Équipez-vous, bordel! Prenez si tout ce que vous pouvez, là! Mal, tu te casses et vite. Je me ferai pas prier. Et limite, effectivement, tu te sers des caméras pour l'attaquer à l'endroit où il est le plus vulnérable. Mais t'as un vieux tournevis, là. Le tournevis pourrait nous servir. Il y a ah mieux merde. Comme arme, mais je ça peut faire que c'était... des dégâts. Je pensais que je... Non, mais non, mais non, mais non. Je préfère le garder. Oui, bien joué, bien joué, bien besoin. Joué. Je sais pas, j'aurais peut-être dû te le donner en vrai. Non, non, moi je crois pas. Moi je voulais te le donner à la base, j'avais pas compris. Ok. Je crois que ça suffira. Allons-y. Tu t'en tiens au plan? Évidemment. Comment est-ce qu'on sort? Le troisième étage doit être encore en travaux. Tiens-toi prête. Faut un timing parfait pour que ce soit lui qui soit piégé. Jamie... Mais vous savez à quoi correspondent tous les boutons et tout? Vous savez elle, que... Si tu le vois, vous savez exactement le plan? Cours. Moi, Eric, il faut que tu reviennes. Je veux qu'elle ait son émetteur de son, là. Et que l'autre... Ah oui, grave qu'elle fasse un allez. Code, là. Tac, 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 dès qu'on... Dès qu'il y a un... Carrément. Carrément. Mais bon, elle y pense pas. Non. Oui, joli ce plan. Ah, t'es Kate. Moi, je dois être Jamie, alors. Ah. Ok. Let's go. Là, j'ai pas intérêt de me foirer. Hein. Ah, moi non plus, je suis là pas. Okay, je longe le couloir. Je reste à droite. Je vois toujours. Je reste à droite, t'as dit. Ok, je vais rester sur la droite. Ah, je inspecter. Je te vois plus. Hein. Ouais, attends, je suis dans un petit recoin. Ah, je regarde okay, si je le vois. Je vois. Non, il est pas là. Ok. Je vois plus une seconde. Voilà, je suis dans une pièce avec un paravent blanc. Ouais, mais et je pense que je vais devoir aller voir. Si, t'es dans le noir, ouais. Oui.
Bon, moi, je suis obligée d'interagir avec le paravent. Il y aura peut-être notre ami derrière qui sera mort. Je regarde le couloir par lequel tu es. J'ai juste vu un miroir de moi. Détermine un objet derrière lequel tu te cacheras si jamais. Bah là, je peux passer dans un petit recoin. J'aimerais bien aller voir dans le reflet un truc. Ça, c'est marrant. Au moment où on fait... D'autres chambres en travaux. Là, je suis dans les... Je suis dans l'armature presque de l'hôtel, quoi, on dirait. Dans une salle tout en bois contreplaqué, là. J'ai aucune visée sur toi, mais je sais pas si c'est normal. Ouais, ouais, c'est normal. Je suis dans un endroit qui doit pas être filmé parce que c'est l'endroit où le tueur passe. Donc attends, je regarde à travers une vitre sans teint et je vois une porte se fermer. Et je l'ai vu passer. Le mec, il est dans une pièce blanche, bien lumineuse, d'opération un peu style salle de bain et gigantesque, cuisine, laboratoire. Ok. Il fait un peu du surplace, je sais pas ce qu'il fait, il a l'air bugué. Moi là où je l'ai vu dans une autre pièce, du coup j'y vais. Je vais essayer de l'attirer. Ah oui, si oui, j'ai vu dans une pièce proche de... Ok. Ok, toi je vois où tu es, c'est peut-être tout de suite à côté. Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus de caméra, je... Merde! Oh putain, il est devant toi! Ouais! Il est devant toi! Ouais, je sais, j'ai une cinématique, je peux rien faire. Faut que je cours, je pense. Faut que je le fuis. Mais vers où, je ne sais pas. J'ai dû bluffer. Ah, j'ai couru. Je dois l'attirer en fait, donc bluffer, je sais pas si c'est intéressant. Oh non, j'aurais dû bluffer. Oh merde. Mais non. Oh, tu m'as. Pourquoi, je crois que tu m'as coincé. Oh, tu prends le couteau en fait. Ah, elle va le prendre. Vas-y, prends-le, meuf. Espèce d'enfoiré. Prends le couteau. Mais elle est conne. Bon, elle a mal, alors je peux comprendre, mais putain, c'est terrible. Allez, reprends le couteau, oh non. J'aurais dû bluffer. Je regarde pas. Hein. C'est vraiment un plan de merde. C'est passé. Oh mon dieu. Mais voilà, mais elles avaient aucun plan aussi. C'est vrai qu'elle a pris son tournevis, elle s'en est même pas servie. Je pense que ça aurait dû me servir pour une situation genre plus tard, si j'avais survécu. Je pense que c'est ça. Pourquoi qu'elle ait pas arraché le couteau de sa main et utilisé... C'était quoi? Bah ouais, je pouvais plus rien faire dans toute cette phase. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Ah bah... Ok. Mais n'importe quoi... Mais faites quelque chose, bande de... Mais grave, je déteste ces cinématiques ultra longues où il se passe rien, où il faut rien. Courez! Courez! Mais partez! Ah! Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ne vous approchez pas. Non mais d'où? Oui. Ah, je vais vous laisser tranquille, vous avez raison, les filles. Attendez, je suis désolée. Ah, il pose le couteau. Ok, t'as appuyé trop tôt. Ah, d'accord, ok. Erin! Non! Mais si! Non, c'est un piège. Ah, oui, d'accord. Ouais, mais faut partir en courant, au pire pas dans... Faites un tour. Non. Ouais, on fait un tour, ouais. Fais un tour pour essayer de trouver des armes, pour essayer de trouver des trucs, là. Non mais... Non. Ouah, mais c'est ça, va continuer, non, pour vous dire... Ah, je vous déteste. Oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Quelle terrible façon de mourir. J'imagine que Kate et Jimmy n'ont pas réussi à s'entendre sur un plan pour arrêter Dumet. Mais ils ont pas vraiment fait le plan. Kate n'oubliera jamais qu'elle a joué un rôle dans la mort de Jimmy. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait faux bond de la sorte à l'un de ses proches. Kate n'a peut-être pas apprécié que Jimmy choisisse de la laisser suffoquer.
L'indice que je vous ai donné a-t-il aidé ? Pas du tout, c'était même pas un vrai indice, c'était... Ah, attends, il est intelligent, le tueur. Voyons, oui. Si Sir Arthur peut nous aider, cette citation provient de l'homme à la lèvre tordue. Jamais lu ? Lisez-le. Un ami sûr est toujours utile, et un chroniqueur plus encore. Cette dernière partie pourrait m'être imputée. Vous devriez y retourner. J'espère que ces discussions sont utiles. Et comme d'hab, ça donne aucun indice. Vous intimider. J'observerai vos progrès, comme toujours, et cela très attentivement. De toute façon, hein, il nous reste moins de choses à faire. Maintenant, on n'a plus que deux. Au revoir la VOD.